Yo les gars, c'est FiFloxNike, comment allez-vous aujourd'hui? Toute nouvelle vidéo sur Cold War, c'est la première fois qu'on fait une vidéo sur ce jeu, ça me paraît ultra important de vous en parler. Je vais vous parler un petit peu de tous les points positifs, des points négatifs, des nouveautés sur le jeu, de ce que les gens en pensent, etc. etc. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire un avis sur le jeu. Je vous présenterai aussi mon avis et ce que je compte faire sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne YouTube à l'avenir. C'est Fiflox, c'est parti, c'est maintenant. Let's go, baby! Avant d'entrer dans le vif du sujet, les gars, on va parler un petit peu de ce que la communauté pense du jeu. Il faut savoir que j'ai été voir beaucoup de vidéos sur YouTube de Call of Duty Black Ops Cold War et dans les commentaires, il y a vraiment beaucoup d'avis négatifs. Ce qui ressort le plus, c'est sur les graphismes. Les gens trouvent qu'on a des graphismes qui sont vraiment pas bons comparé à Modern Warfare, qu'on a carrément l'impression de revenir 5 ans en arrière. Il y en a même qui disent qu'ils ne vont pas acheter le jeu parce que les graphismes sont pas à la hauteur de leur espérance. Moi, je trouve ça juste dingue. Déjà, on a des très bons graphismes. C'est peut-être pas ceux de Modern Warfare au niveau du réalisme, mais on peut vraiment pas dire que les graphismes sont nuls. En plus de ça, juger un jeu et dire qu'on va pas l'acheter parce que les graphismes sont pas terribles, je trouve ça juste dingue. C'est pas les graphismes qui font qu'un jeu est bien ou pas bien, c'est les mécaniques, c'est comment a été fait le jeu. Et ça, les gens, il y en a beaucoup, j'ai l'impression, ils comprennent pas. Je vous donne un exemple, quand Fortnite est sorti, on avait des graphismes de dessin animé, et pourtant le jeu a super bien marché. Donc c'est clairement pas les graphismes qui font qu'un jeu est bien ou pas bien. Dites-moi ce que vous en pensez vous des graphismes, même si pour moi c'est un point secondaire dans un jeu vidéo, et c'est clairement pas ce qui fait la force d'un jeu. Ensuite, ce qui est critiqué aussi c'est les mouvements, notamment la glissade. Beaucoup de gens trouvent qu'elle est abusée, moi je trouve déjà qu'elle est moins abusée que sur BO4, et en plus de ça, c'est plutôt un point positif qu'un point négatif qui est le retour d'une bonne glissade. Je pense que ceux qui critiquent ça, c'est des gens qui ont vraiment pas de skill dans leur duel et qui n'arrivent pas à glisser en duel et justement qui se prennent des grosses glissades en duel et qui se font éclater à cause de ça. Donc je pense qu'ils viennent rager à cause de ça, ils disent que c'est pas réaliste, etc. Bon, c'est un peu dommage. Sinon, l'autre point négatif qui est pas mal relevé, c'est au niveau du gameplay. Les gens trouvent que on dirait pas, enfin ils ont pas la sensation en fait d'un Call of Duty. Ils disent que le gameplay est assez bizarre. Moi je trouve pas personnellement. Je vais attendre d'avoir le jeu en main, de tester la bêta. Et après je pourrais me faire un réel avis sur le gameplay. Et le dernier point positif, négatif qui est pas mal relevé, c'est que le jeu ressemble un petit peu à Battlefield. Je trouve qu'il y a quelques ressemblances avec Battlefield, mais en soi je trouve pas ça si dérangeant que ça. Dans le sens où Battlefield est un excellent jeu, et s'ils ont pris des trucs excellents dans Battlefield et qu'ils les ont mis dans Black Ops, je vois pas le problème en fait. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter au niveau de tout ça. Donc voilà. Donc maintenant, parlons des points positifs de Cold War. On va directement commencer par les points cruciaux, les points essentiels à la réussite d'un multijoueur. On commence par la santé. On a peut-être pour moi la meilleure santé qu'on ait eue sur un Call of Duty. Si on regarde un petit peu ce screen qui est le time to kill, on peut voir que sur Black Ops 4, le temps pour tuer quelqu'un était d'environ 355 millisecondes avec un fusil d'assaut. Sur Cold War, c'est 321 millisecondes. Ce qui veut dire qu'ils ont pris la santé de Black Ops 4 et l'ont un tout petit peu diminué sur Cold War. Et moi qui trouvais que la santé de Black Ops 4 était quasiment parfaite, mais un tout petit peu trop élevée, et ça me fait extrêmement plaisir. On peut voir qu'on ne meurt pas en 4 balles, mais en 5 avec certaines armes, et qu'on ne meurt pas en 2 ou 3 balles. Ensuite, on a le retour des bonnes maps, des maps avec 3 couloirs, où il n'y a pas 88 tops et il n'y a pas 52 fenêtres pour camper et pour se mettre en head glitch. Donc on a des maps simples qui sont faciles à comprendre. Et en plus de ça, je pense qu'il y aura le retour des maps emblématiques de la saga Call of Duty, Black Ops, notamment Nocturne, Firing Range, Summit, tout ça, ça va revenir. Donc je me fais pas de soucis sur les maps, on aura de très bonnes maps. Sinon, retour d'une mini carte à l'ancienne, alors là c'est le point le plus essentiel aussi. Quand les adversaires vont tirer, on pourra voir le petit point rouge
sur la mini-carte qui permettra de savoir où est l'adversaire. En plus de ça, on a une mini-map qui est quand même vachement élargie, vachement étendue. Donc on voit loin devant nous, contrairement à Modern Warfare, où il y avait une mini-carte vachement restreinte et sur laquelle on ne voyait pas les points rouges quand les adversaires tiraient. Sinon aussi, on a le retour du rush. J'ai vu par exemple Gotaga qui rushait, qui faisait des 15 kills sans mourir. J'ai vu plein de streamers rusher, donc on peut voir que le rush est présent. Je vous montre l'avis de Gotaga qui vous prouve que le rush est possible. D'ailleurs, j'ai exactement le même avis que lui, c'est pour ça que je vous le montre. Regardez. Parce que genre, mes mecs qui campent, tu vois, je les déchire quand même, tu vois. Donc c'est relou parce que moi je prends moins de plaisir, on va dire. Regarde, regarde. Bougez, wesh! Les mecs sont toujours viseur fixe, mais ils seront pas autant récompensés que par exemple sur Modern Warfare, je trouve. Parce qu'il y a moins de délire de fenêtres, de maisons, 10 milliards de maisons, et du coup tu sais pas comment croche. On a aussi le retour du sprint automatique, c'est-à-dire que le sprint ne s'arrête jamais, sprint illimité. Le joueur n'est pas essoufflé toutes les 3 secondes comme sur Modern Warfare, et ça, ça fait super plaisir. On va parler maintenant des autres points essentiels sur ce Call of Duty, notamment le retour de la glissade. On peut voir qu'elle a l'air vachement cool. En plus de ça, on peut en enchaîner plusieurs de suite. Donc personnellement, je kiffe. On dirait un petit peu celle de Black Ops 4, mais en un peu moins fort. Ça change, ça fait plaisir. Sinon, pour parler du drop shot, je vous montre un extrait de Gotaga qui l'explique parfaitement. Ah oui, un truc aussi par rapport au drop shot, c'est moins fort que les autres jeux. Parce que si tu te baisses ou tu te relèves, genre, ça arrête de viser. On peut voir que quand on s'allonge tout en tirant, l'arme dévise automatiquement. Ce qui veut dire que ça sera beaucoup moins fort que sur les autres Call of Duty. Et moi, personnellement, c'est un aspect qui me plaît. Ce qui veut dire aussi que le mec qui va être allongé et qui va se relever en plein duel, eh ben, il va être désavantagé car son arme va déviser tout seul. Retour sinon du silence de mort. Alors là, ça s'appellera la toux ninja sur Call of Duty comme sur Black Ops 1. Et ça fait extrêmement plaisir. On va pouvoir rusher les campeurs sans qu'ils nous entendent et sans qu'ils nous pré-shootent quand on arrive. C'est super important. On a aussi des pas qui sont un petit peu moins bruyants sur le multijoueur parce que les pas sur Modern Warfare, ils étaient trop bruyants en multijoueur et malheureusement pas assez en Warzone. Donc ça c'est vraiment cool, même sans le silence de mort, on pourra rusher plus qu'avant. On a sinon des fusils à pompe qui vont être moins puissants, c'était catastrophique sur Modern Warfare la puissance des fusils à pompe. On pourra aussi, on ne pourra pas monter ses armes sur les murs et se pencher pour tirer. Ça c'est un truc très important aussi, ça fait plaisir. Sinon on a des armes qui sont vachement connues. Ils ont repris beaucoup d'armes de Black Ops 1, ce qui veut dire que quand on va arriver sur ce Call of Duty, on sera pas perdu, on saura directement les armes qu'on a envie de tester. C'est pas comme sur un Call of Duty futuriste où t'arrives, tu sais même pas quelle arme prendre. Bon, par exemple, il y a l'AK-47, les gars, tout le monde la connaît, hein, donc voilà, vous saurez un petit peu à quoi jouer. Ça, c'est vraiment cool. On va parler maintenant un petit peu des modes de jeu, notamment le VIP Escort, tout nouveau mode de jeu. Pour moi, c'est un mode que tu peux jouer seulement avec des amis parce qu'il est très stratégique. Peut-être ça sera un mode compétitif, je sais pas trop. En tout cas, ça ressemble un petit peu à la R&D. On a aussi des modes qui ressemblent à Battlefield, comme du 12v12, avec de la domination vachement agrandie. Donc en fait, c'est de la domination avec 5 ou 6 drapeaux. Ça ressemble un petit peu à la conquête sur Battlefield, mais un petit peu moins grand. Donc moi, personnellement, je kiffe. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Ah, écoutez les gars, si vous aimez pas, franchement c'est pas grave, vous irez sur les modes qui sont connus, hein. Il y a toujours le point stratégique, la domination, la R&D, la MME, tout ça. Et si vous aimez pas ces nouveaux modes, bah tout simplement, il n'y aura pas besoin de les faire. C'est d'ailleurs dans ces modes là qu'il y a les véhicules, il y a quelques maps où il y a des tanks, il y a des maps où il y a des bateaux, des hélicoptères, tout ça, tout ça. Donc voilà, pourquoi pas tester. En plus de ça, du 12v12, on va pouvoir faire des carnages, je pense, hein. Donc ça fait vraiment plaise, des petites nouveautés comme ça. Maintenant parlons des derniers points forts de Call of Duty Black Ops Cold War, notamment le retour du cross-platform, ce qui va permettre aux joueurs PS4, PS5, Xbox One, les joueurs de la nouvelle Xbox et les joueurs PC de tous jouer ensemble. Ça fait extrêmement plaisir. On va pouvoir jouer avec nos amis qui ne sont même pas sur la même plateforme que nous
Et en plus de ça va nous éviter certains problèmes, notamment ceux par exemple qu'on avait sur Blackout. À la fin du jeu, on avait un petit peu de mal à réunir 100 joueurs dans une même game pour lancer une game de Battle Royale. Et ça, c'était un peu chiant. Là, vu que la communauté sera super grande, on n'aura plus ce problème. Autre point fort, le système de classe. D'ailleurs, il n'a pas été mis vraiment en avant celui-là. Et pourtant, on a un nouveau système de classe qui est fantastique. Je vais vous faire une vidéo consacrée à ça, les gars. Vous allez kiffer. On verra dans cette vidéo toutes les nouveautés qu'il y a sur le système de classe. On verra toutes les armes qu'il y a eu dans l'alpha, tous les atouts, tous les équipements et tous les jokers qui sont d'ailleurs super intéressants et tout nouveaux. Bon, niveau loup, dernier truc positif, c'est des score streaks. Alors là, toute nouvelle méthode pour débloquer ces score streaks, c'est du jamais vu sur un Call of Duty. Je vous explique tout ça aussi dans ma prochaine vidéo, car c'est un tout petit peu complexe, mais une fois que vous allez comprendre, vous allez kiffer, vous allez voir à quel point c'est ingénieux. Je vous montrerai aussi tous les score streaks qu'il y avait dans l'alpha. Voilà les gars, on peut du coup passer sur les points négatifs un petit peu du jeu. Maintenant parlons des points négatifs les gars. Pour moi il y en a très peu, mais le plus gros point négatif c'est le retour du SBMM. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les gars, c'est le skill-based matchmaking. Donc en fait le SBMM ça fait en sorte que si vous avez par exemple 3 de ratio, vous allez tomber que sur des joueurs qui ont entre 2 et 4 de ratio. C'est à peu près ça si vous voulez vous faire une idée en fait. Donc ce qui veut dire que les joueurs qui ont 1 de ratio, ils vont tomber que contre des joueurs qui ont entre 0,50 et 1,50 de ratio. Donc en fait c'est un truc vachement bien pour les joueurs qui sont pas très forts. Mais du coup, pour les joueurs qui sont forts, bah, c'est vraiment très chiant. Dans le sens où on va jamais tomber contre des gens qui sont nuls. On va tomber que contre des gens extrêmement forts. Et en fait, on va devoir jouer notre vie tout le temps. On va devoir tryhard H24. Et on va pas pouvoir jouer pour rigoler. On va devoir être sérieux tout le temps. Sinon, on va se faire défoncer. Donc pour moi, ça, c'est un réel problème. D'ailleurs, il y a énormément de gens de la communauté qui ne veulent pas le retour de ça. Il y a plus de 80% qui n'aiment pas le SBMM. Et ça, franchement, ça m'embête beaucoup. Sinon, autre chose, apparemment, ça sera pareil que sur Modern Warfare pour les levels. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prestige. Il y aura des saisons. Il faudra monter level 155 à chaque saison. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont critiqué ça. Et du coup, peut-être que Treyarch vont faire un effort et vont instaurer des prestiges. Mais pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. Ça fait vraiment. Donc du coup pour conclure les gars, on a l'air d'avoir un multijoueur qui a l'air juste excellent, très très peu de défauts, mis à part le SBMM qui m'embête vraiment, sinon ça a l'air fou. Par contre on a un Warzone qui va rester identique à celui d'avant, donc ça il y a beaucoup de gens qui vont être contents hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent le Warzone. Moi malheureusement je trouve qu'il y a beaucoup de défauts et j'aurais bien aimé que Treyarch corrige les défauts tout en gardant le Warzone à peu près identique. Malheureusement, ça sera sûrement pas le cas. Donc moi, sur ma chaîne YouTube du coup et sur ma chaîne Twitch, les gars, quand Cold War va sortir, je pense que je vais vraiment faire beaucoup de multijoueurs. J'irai sur Warzone de temps en temps, mais il y aura sûrement plus de multi que de Warzone. En réalité, je sais pas encore vraiment. Je pense que ça sera ça. Peut-être qu'au fur et à mesure du temps, je vais commencer à faire plus de Warzone et lâcher le multijoueur. En tout cas, j'aurai sûrement une commu multi Warzone du coup. Et en espérant que le Warzone, au bout de 5-6 mois, il commence à changer. Et qu'on ait un petit peu des grosses nouveautés pour que je puisse m'y mettre. Donc voilà. On va un petit peu se diriger vers le multijoueur. Voilà, les gars. C'est la fin de la vidéo. Sur ce, je vous fais des bises. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et à vous abonner. C'était Fiflox. Bisous à tous, bye bye.